Yo, salut les potes, c'est Yoda. Bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien remis de toutes les informations qu'on a eu hier, donc sur Rise of Iron ou en français les Seigneurs de Fer. Voilà, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir directement les vidéos qu'on a pu sortir hier avec Lady. Et franchement, ce DLC, il s'annonce vraiment très très lourd. Et ce stream était vraiment très plaisant. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir. Tout de suite ce que nous propose Xur pour ce week-end. Chose... Alors on va commencer tout d'abord avec le Titan avec le casque laser. Donc je pense que vous le connaissez depuis un bon moment qui permet tout simplement de garantir un effet plus long à bénédiction de lumière et arme de lumière. C'est un très bon casque hein, quand on joue avec la bulle. Et voilà pour ceux qui n'ont pas. Mais bon je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont ces équipements. Mais pour ceux qui n'ont pas, et eh ben franchement je vous conseille vraiment d'acheter cet équipement qui est vraiment très efficace pour le Titan. Pour le chasseur, on a les gants Ne me touchez pas. Vous devenez temporairement invisible lorsqu'une attaque de mêlée vous inflige des dégâts. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est vraiment un gantelet qui est vraiment plus efficace. En PVE qu'en PVP, parce que bien évidemment, en PVP, quand vous mettez un coup de couteau, vous soyez invisible ou pas, vous allez prendre le deuxième. Donc voilà, mais en tout cas, c'est des très bons gantelets également. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à également les acheter. Pour l'Arcaniste, on va retrouver le casque Le Bélier, donc qui augmente l'armure. Toutes les attaques de mêlée de la voie abyssale infligent moisson de vie. C'est un très bon casque également, franchement. Euh, notamment en PVP, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Et voilà, donc même chose. N'hésitez pas à acquérir cet objet pour ceux qui ne l'ont pas. L'arme de la semaine, c'est tout simplement la mort rouge. Chaque phrase, chaque frac, pardon, vous rend des points de vie et accélère la vitesse de rechargement. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour récupérer de la vie. Et il est plus facile de viser sur les tirs ennemis de cette arme, la mort rouge, qui est vraiment une très bonne arme, qui est vraiment une arme très appréciée depuis... enfin Toujours, hein, d'ailleurs, et très appréciée depuis le début du jeu. Et voilà, c'est toujours une très bonne arme à aller chercher. On a les engrammes classiques, donc ça, c'est pour avoir les armes de l'année 1 sur les armes secondaires donc voilà bon ça c'est vraiment pour ceux qui veulent faire la collection qui n'était pas là euh, à l'année 1 et sinon comme d'habitude vous allez avoir les trois deniers les cartouches d'armure lourde etc etc pour ceux qui veulent délirer également je l'avais fait une fois j'avais acheté les moteurs à plasma et l'hélice emerald et c'est assez stylé hein, ça permet d'avoir un passereau un petit peu plus puissant voilà j'espère que cet inventaire vous a plu il y a mieux mais bon la mort rouge je trouve que c'est une très bonne arme et pour ceux qui ne l'ont pas et eh bien c'est toujours une arme intéressante à Acheter, je vous dis à très bientôt. Très très bientôt pour d'autres informations sur Destiny, notamment au début de la semaine. On aura des informations sur l'E3, euh, donc avec l'E3 sur les seigneurs de fer. Et on a vraiment hâte d'en savoir plus. Je vous dis à très bientôt, comme je vous l'ai déjà dit. Prenez soin de vous, les potes. Tchuss.